On va chanter ce dernier cantique. Au pied de la Sainte Croix jaillit la fontaine. Ensemble. Une fois encore, je voudrais remercier tous ceux qui se sont occupés des différents cultes qu'on a eus pendant le mois d'août, durant notre absence, Laetitia et moi. Et on n'est pas partis inquiets. Alors peut-être que ceux qui ont fait quelque chose étaient peut-être plus inquiets que moi. Hein? Mais comme on fait ça pour le Seigneur, vous le faites pour le Seigneur. Donc, vous savez, vous pouvez apporter quelque chose pendant 10 minutes et que ce soit beaucoup plus efficace qu'une prédication qui va durer une heure et demie et où à la fin personne ne va rien suivre et ne va rien retenir du tout. Hein? Donc voilà, merci à chacun d'entre vous. Et ce matin, je voudrais parler
sur un thème que j'ai nommé ma prédication, des choses étranges. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, des choses étranges? Alors quoi? Des choses étranges, bizarre. Des choses bizarres. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont surpris? J'ai peur de la raconter. Ah, t'as peur de la raconter? On a peut-être peur de l'entendre alors. Hein? Je vous raconte. Vous racontez. La pleine lune, la peut-être. Pleine lune. Si. Et bien, comme ça, je ne sais pas comment. Franchement, si je serais tout seul, je dirais que c'est quelque chose que c'est dans ma tête. Mais Lionel, qui est une personne qui ne croit pas, si. Il a été pris d'une peur. Et moi, j'étais heureuse de ce qu'on a vu. Et on a vu à peu près une quinzaine de. Peut-être sur les satellites que. La personne Musk a mis en ligne. Mais c'était impressionnant parce qu'en fait, je le savais une fois déjà, l'alignement des satellites. Si. Et ça ne me paraissait pas la même chose. Mm-hmm. Déjà. Et c'était une ligne d'étoiles qui se baladait une après l'autre, mais vraiment hyper long. Mais il disparaissait une après l'autre. Oui. Et donc, Lionel m'a dit, il y a des nuages là, c'est pour ça qu'il disparaît. Non, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de nuages, on voit la lune après. Donc, il n'y avait pas de nuages. C'était hyper bizarre, je ne sais pas si autre personne les a vus, mais en fait, il s'est baladé comme ça, il disparaissait un après l'autre. C'était hyper bizarre, une chose que jamais j'ai vue dans ma vie. Mm-hmm. Et que ça m'a fait penser à qu'est-ce qu'on entend en tant qu'église. Oui. Et qui a mené en discussion avec mon mari qui m'a dit comment je peux être heureuse d'une chose qui me fait peur en ouais. moi. Je dis oui, tu as de la peur parce que tu n'as pas de la foi. Que ouais. ouais. Depuis que je suis petite, je pense que de la première chose que j'ai écouté mon grand-père dire, dès que je me souviens, c'est je suis très bien. Ouais. Donc si j'ai conscience de ça, dès que je suis très petite, j'attends la douceur. Le retour de Christ. Retour de Jésus, c'est une chose que j'attends. Je ne peux pas être triste, je ne peux pas avoir. Je peux protéger. Je n'ai pas de poids. Oui. Ça, c'est mon sentiment qui n'était pas là. Oui, oui. J'avais un petit peu de larmes dans mes yeux et j'avais un grand sentiment de chanter. Oui. C'était vraiment. Une bonne sensation. Aussi. Oui. C'était vraiment bizarre au milieu de la campagne. On s'est baladé. Vraiment, c'était. Maintenant qu'on chantait, j'ai pensé à ce moment et j'ai pensé pourquoi il n'y avait pas des autres personnes autour de moi pour, mm-hmm. pour partager. Ouais. Et c'est ce qui m'a impressionné, c'est qu'est-ce qui a passé avec lui. Mm-hmm. Parce qu'on avait déjà parlé de la notion venue de Jésus. Il m'a demandé que je l'explique qu'est-ce que vraiment on attend de ça. Ouais. Et ça, c'est aussi autre occasion pour parler de Bien ça. Sûr. Et les voir comment il a réagi, ça m'a vraiment fait penser que c'était un truc fait pour nous, ou je ne sais pas. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, c'était vraiment. Dieu parle à travers des personnes, des choses, des circonstances, et c'est vrai qu'on attend, en tant que chrétien, on attend le retour du Seigneur, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je vous dis dimanche après dimanche, regardez vers le ciel, parce que c'est de là que le Seigneur va revenir, pour qu'on ne soit pas surpris. Et qu'on ne se dise pas, mais je ne pensais pas que c'était maintenant. Même, et que pourtant la Bible nous dit que la plupart d'entre nous va être surpris par le jour du retour, parce qu'on ne s'y attend pas. C'est pour ça qu'il faut s'y attendre, comme si c'était là, il est 11h38, peut-être 11h33, pardon, peut-être qu'à 11h35, on ne sera plus là. Peut-être qu'on sera avec le Seigneur. Donc le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment, donc ne soyons pas surpris. Et pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que c'était une occasion aussi d'apporter un témoignage à Lionel et de lui dire ce qu'on attend, ce que tu attends en tant que chrétienne, le retour de Christ. Et peut-être que ce moment-là était vraiment prévu pour vous deux, pour qu'il y ait une joie chez toi et une crainte chez lui.
Et cette crainte peut éventuellement se transformer dans la même joie que la tienne. Alors, je te remercie pour cette introduction parce que ça va... Ah non, non, au contraire, ça va aller très bien avec la prédication que je vais apporter. Hein? Le hasard, comme disait Einstein, c'est Dieu qui agit incognito. Hein? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait vu des choses étranges, surprenantes? Peut-être. Oui. Dans ma conversion, il y a la quarantaine d'années à peu près, je fréquentais une assemblée et j'y allais donc régulièrement tous les dimanches. Et puis, c'était l'hiver, vous allez peut-être rire, moi je vais rire après. C'était l'hiver. Et qu'est-ce qui m'a pris quand j'ai fait des courses? J'ai vu, oh, ça c'est pas cher, six paires de chaussettes pour... Bon. Et puis, j'achète ces chaussettes-là. Et puis, ce dimanche d'après, je vais au culte. Et je dis, tiens, je vais prendre les chaussettes. Parce que je ne sais pas où elles étaient, trop petites, tout pour ranger. Je prends les chaussettes. J'arrive, il y avait des jeunes gens qu'on n'avait jamais vus. On se dit bonjour, bonjour. Et puis, j'étais là avec mes chaussettes. Et je parle avec le garçon. Très aimable, très gentil. Et puis, je dis, j'ai des chaussettes parce qu'il se demandait ce que c'était. Il me dit, moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de chaussettes. Je dis, tu n'as pas de chaussettes? Non, non, frère, je suis comme ça, c'est un étudiant. Ah, je lui dis, bon, ben voilà, est-ce qu'elles te vont? Il a regardé. C'est la première et la dernière fois jusqu'à aujourd'hui que j'ai amené des chaussettes dans une église. Dieu fait bien les choses. Oui. Hein? Voilà. Et je pense que l'étudiant doit s'en souvenir aussi bien que tu t'en souviens toi. Hein? Des choses étranges. Alors, c'est le nom que j'ai donné à la prédication parce que, vous savez, aujourd'hui dans notre monde, pour beaucoup, c'est la routine. Lever, le boulot. Pour certains, le métro, on rentre, on mange et on va se coucher et on recommence et on recommence et on recommence. Et donc, comme c'est des choses qui reviennent régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, eh bien, parfois certaines personnes sont dans une certaine lassitude et les gens autour de nous peuvent être fatigués de voir et d'entendre toujours les mêmes choses. Alors, pour changer peut-être un petit peu leurs habitudes, ils vont, essayer de nouvelles expériences. Tenter de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Peut-être que certains, pour donner un peu de piquant à la vie, vont faire un saut à l'élastique, par exemple. Quelqu'un a déjà fait un saut à l'élastique ici? Ah, et alors, ça fait peur? Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. La peur ne dure pas longtemps. Mais voilà. Donc, on peut chercher des choses comme ça pour changer un petit peu, pour casser la routine de la vie. Alors, quand c'est un saut à l'élastique ou quelques jours, quelques semaines de vacances dans un lieu paradisiaque, bien sûr, si vous cherchez un lieu paradisiaque, vous savez où se trouver, où il se trouve. Voilà, merci. D'ailleurs, j'ouvre et je referme la parenthèse. Pour ceux qui étaient là quand j'ai prêché à travers la vidéo, je vous avais dit que qui allait gagner le mondial? Voilà, je referme ma parenthèse. Donc... certaines personnes vont être à l'affût de quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je veux voir des choses que je ne vois pas habituellement. Si vous connaissez des gens comme ça, qui veulent connaître de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses, vivre des choses étranges et vraies en même temps, parlez-leur de Jésus-Christ. Parce que s'il y a bien quelqu'un ici-bas et qui continue de le faire aujourd'hui, qui a fait et qui continue de faire des choses étranges, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Personne au monde n'est susceptible, en effet, de provoquer l'étonnement autant que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, vous aurez toujours, de son temps à lui, comme aujourd'hui chez nous, des gens qui vont avoir du mal à croire, c'est vrai, c'est pas vrai. Beaucoup vont
peut-être s'intéresser pendant un petit laps de temps et puis après ils vont encore chercher autre chose parce qu'ils en ont assez d'entendre des choses de Jésus-Christ, des choses de la parole de Dieu. Alors on va voir ce matin, à travers un texte qu'on va lire, on va voir sa personnalité, sa vie, sa mort, son enseignement, parce que toutes ces choses-là, tous ces points-là, sont vraiment des points sur des choses étranges et particulières. Alors je vous invite à regarder avec moi Luc chapitre 5, et on va lire les versets 21 à 26. À partir du verset 12, pardon. Luc chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 26. Alors, on parle de Jésus quand on dit « comme il », c'est Jésus-Christ. « Comme il était dans une ville de la Galilée, un homme tout couvert de lèpre ayant vu Jésus se jeta la face contre terre et le pria en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus étendit la main et toucha et lui dit « Je le veux, sois nettoyé. » Et au même instant, la lèpre le quitta. Et Jésus lui défendit de le dire à personne, mais « Va, lui dit-il, montre-toi au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. » Verset 15, « Et sa réputation se répandait de plus en plus, et une foule de gens s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais il se tenait retiré dans les déserts et il priait. Or, un jour qu'il enseignait, et que les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient venus de tous les bourgs de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, étaient là assis, la puissance du Seigneur agissait pour guérir les malades. » Alors il survint des gens qui portaient sur un lit un homme perclus et ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le mettre devant Jésus. Verset 19, et ne sachant par où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur la maison, ils le descendirent par les tuiles avec son lit au milieu de la foule. Devant Jésus qui, ayant vu leur foi, lui dit, « Ô homme, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 21, alors les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ?» Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quel raisonnement faites-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, il emporta le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla dans sa maison, donnant gloire à Dieu. Et ils furent tous saisis d'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier une fois de plus parce que tu nous permets d'être dans ta maison pour tenir ta parole entre les mains, pour la lire, aide-nous à la retenir et à la mettre en pratique. Et aide-nous à voir encore toutes ces choses étranges, miraculeuses, que notre Seigneur Jésus-Christ a fait quand il était ici-bas et ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui. Seigneur, merci de transformer encore les cœurs comme tu l'as fait jusqu'à présent. Merci de parler dans nos vies, dans nos cœurs aujourd'hui et à chaque personne ici présente et à celles qui vont nous suivre par la suite sur Internet. Merci de bénir ta parole dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors l'œuvre que Christ a accomplie dans notre passage du verset 13 au verset 25 a produit pour les gens de l'époque de l'étonnement et de l'émerveillement. Mais on va prendre un texte, un verset pour ce matin. C'est le verset 26 qui nous dit... Et ils furent tous saisis d'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alors j'imagine que si vous voyez des choses étranges aujourd'hui ou demain ou un autre jour, si pour vous c'est vraiment étrange, vous risquez d'en parler avec d'autres personnes. Parce que vous allez peut-être chercher une explication auprès de quelqu'un d'autre,
de comprendre pourquoi ceci, pour comprendre pourquoi cela. Quand on a des choses étranges que l'on voit ou que l'on entend, forcément, on va se poser des questions et on aimerait en parler avec d'autres. Alors, voyons dans un premier temps toutes les choses étranges qui se sont passées durant cette journée où le Seigneur est là au milieu du peuple. Premièrement, nous voyons la puissance du Seigneur qui se manifeste pour guérir les malades. C'est le verset 17, Luc chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Or, un jour qu'il enseignait que les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient venus de tous les bourgs de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient là assis, la puissance du Seigneur agissait pour guérir les malades. » Ce qui est formidable, c'est que c'est formidable pour certaines personnes et c'est dommage pour d'autres. Quand le lépreux, par exemple, celui-ci ou un autre, a été guéri par le Seigneur lui dit, pour l'instant, tu n'en parles à personne. Tu rentres à la maison, tu ne dis rien. À la limite, tu vas te voir chez les sacrificateurs pour leur montrer que tu es guéri. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai envie de dire que la nature humaine est vraiment compliquée. Jésus dit, ne le dis à personne. Pas de souci, il a à peine tourné le dos que tout le monde est déjà au courant. Et le Seigneur nous dit, dis aux autres que j'ai fait dans ta vie, et à peine on a le dos tourné, et on dit rien à personne. Peut-être que si le Seigneur nous interdisait de témoigner, peut-être qu'on témoignerait. Hein? On dit souvent que quand on a envie de faire ou de faire dire quelque chose à quelqu'un, eh bien, il faut lui interdire de le faire ou de le dire. C'est justement étrange, mais parce que la nature humaine est étrange. Donc d'un côté, nous avons le Seigneur qui dit aux lépreux, ne le dis à personne, va te faire voir au sacrificateur et offre l'holocauste, le sacrifice. Et il fait le contraire, il le dit à tout le monde. Et quand nous avons le devoir de dire ce que Christ a fait pour nous dans nos vies, autrement dit, témoigner, eh bien, on n'ose pas témoigner. Donc, la puissance du Seigneur se manifeste pour guérir les malades. Deuxième point, on le voit dans le verset 19. La foi s'exerce du haut vers le bas, dans le but d'atteindre le Seigneur. La foi s'exerce du haut vers le bas. C'est ce qu'on voit au verset 19. Que nous dit notre texte au verset 19? Donc, il y a des amis qui arrivent avec une personne qu'ils connaissent, qui est paralysée, qui se trouve dans un lit. Et nous lisons verset 19. « Ne sachant par où le faire entrer à cause de la foule qui est là présente et qui écoute les paroles du Seigneur, peut-être aussi pour voir un miracle, hein? Mais en tout cas pour l'enseignement. Ils montèrent, le verset 19 nous dit, sur la maison. » Ils détuilent la maison, ils descendent le lit par les tuiles au milieu de la foule pour que leur ami paralysé dans le lit puisse être juste devant le Seigneur, devant les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi s'exerce dans ce cas-là du haut vers le bas. J'amène mes amis, mes connaissances, ma famille au Seigneur. Et s'il y a des empêchements comme une foule devant, eh bien, je vais prendre un autre chemin pour amener mes amis, mes proches, mes collègues de travail, mes voisins à connaître le Seigneur Jésus-Christ. On aurait pu dire, ils auraient pu dire, il y a trop de monde, on va attendre qu'ils aient fini et après, en aparté, on ira voir le Seigneur. Ils aimaient tellement leur ami qu'ils se sont dit, on ne va pas attendre plus longtemps. On va passer par au-dessus, là où il n'y a personne. Troisième point. D'une seule parole, Jésus pardonne les péchés. D'une seule parole, Jésus pardonne les péchés. Verset 20. Devant Jésus, qui ayant vu leur foi, lui dit... « Ô homme, tes péchés te sont pardonnés. » Après, c'est ce qui va nous amener au quatrième point, mais dans ce point-là, le troisième point, «
Qui d'autre que Jésus-Christ, ici-bas sur terre, à son époque et encore aujourd'hui, peut dire non seulement tes péchés sont pardonnés, mais qu'en plus, les péchés sont réellement pardonnés? Nina peut dire à Jean-François, Jean-François, mon amour, je te pardonne tes péchés. Tu peux toujours le dire, mais ce ne sera pas la même efficacité que le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Il le dit et il le fait. Ça arrive. C'est ce qui nous amène au quatrième point. Jésus dévoile les pensées cachées. Ça aussi, c'est des choses merveilleuses et étranges et qui peut-être aussi peut faire peur. Hein? Parce qu'on se dit, je sais que le Seigneur sait tout de moi. Je sais que le Seigneur connaît chacune de mes pensées, même celles que je vais avoir dans une heure ou dans un an. Dieu les connaît déjà. Peut-être des pensées qu'on n'aimerait pas que d'autres connaissent, mais le Seigneur connaît. Ce quatrième point, Jésus dévoile les pensées cachées, on le retrouve au verset 22, parce qu'il y a ces hommes pharisiens, ces responsables de synagogues, les chefs religieux qui sont là et qui sont en train de dire « Mais qui peut dire tes péchés te sont pardonnés si ce n'est que Dieu seul ?» Ce qui montre bien que Jésus-Christ est Dieu. Parce que s'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés et que Jésus-Christ est capable de le faire, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ est Dieu. Et donc ces gens sont là, ils regardent, ou plutôt j'ai envie de dire, ils espionnent. Ils attendent pour chercher la petite faille, pour dire voilà, comme là par exemple, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Il se prend pour qui lui? Pour Dieu, c'est un blasphème. Et là, il mérite la mort. Verset 22, nous lisons, « Mais Jésus, connaissant leurs pensées, parce qu'ils ne disent rien à haute voix, prit la parole et leur dit, « Quel raisonnement faites-vous dans vos cœurs ?» Est-ce que c'est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire en plus « Tes péchés te sont pardonnés, mais en plus de ça, je te le dis, lève-toi parce que tu es guéri, prends ton lit et rentre chez toi. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit devaient être ces hommes religieux, ces responsables, devant non seulement les paroles qu'ils ont entendues, mais devant ce miracle que Jésus-Christ a fait avec cet homme paralysé. Et s'ils étaient sincères avec eux-mêmes, et je pense que certains ont dû se poser la question, ils ont dû forcément se dire en eux-mêmes, il y a eu vraiment quand même un miracle de fait. Mais le cœur de l'homme, il est tellement tordu, mauvais, méchant, qu'il refuse de voir un miracle. Ils vont préférer dire ou penser qu'en fin de compte, il n'était pas aussi handicapé que ça, aussi paralysé que ça. Hein? Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est capable de dire, il blasphème en disant, « Je te pardonne tes péchés. » Mais parce qu'il était capable de le dire et de le faire. Cinquième point. Jésus donne à un homme, qui quelques minutes plus tôt était paralysé, la force de porter seul le lit qui avait servi à le porter jusqu'à devant Jésus-Christ. Alors je répète pour ceux qui prennent des notes. Jésus donne à un homme qui quelque temps auparavant était paralysé, la force de porter seul le lit qui avait servi à le porter jusque dans la maison. Donc, on essaie de se revoir la scène. Ils arrivent, il y a beaucoup de monde devant la maison. Ils passent par le toit, ils enlèvent ce qui sert de toiture. Ils descendent le lit parce qu'ils savaient que Jésus était capable, s'il avait envie, de faire quelque chose pour leur ami couché et paralysé. Et Jésus va le faire, je te pardonne et je te le dis en plus, prends ton lit et rentre à la maison. Verset 25. Jésus ne lui a pas dit, tes habits vont te ressortir par où tu es rentré, ils vont te ramener chez toi et d'ici quelques jours tu vas aller mieux. Qu'est-ce qu'on lit au verset 25? Après les paroles du Seigneur. Alors pour le contexte, on va reprendre le verset 24.
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, je te le dis, emporte ton lit et va dans ta maison. Et qu'est-ce que nous dit le verset 25? À l'instant. À l'instant, il se leva en leur présence, il emporta le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla dans sa maison, donnant gloire à Dieu. Et quand le Seigneur pardonne les péchés et qu'il sauve quelqu'un, il ne le fait pas avec un long processus, avec « tu veux être pardonné, tu veux recevoir la vie éternelle, mon salut, alors voici la liste de tout ce que tu dois faire. » Non. Il n'y a qu'une chose qu'il faut faire dans cette liste. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tout ce qu'on a à faire. Croire qu'il est venu il y a un peu plus de 2000 ans pour donner sa vie pour des gens qui ne l'aiment pas, qui le détestaient, qui le haïssaient. Ça, ce sont donc cinq choses qui ont pu être, qui sont arrivées durant cette journée-là. Bien sûr, vous trouvez bien qu'il y a beaucoup plus de choses, mais il nous faudrait plus que la matinée pour parler de toutes ces autres choses. On va voir maintenant des choses étranges qui se sont passées plutôt à notre époque, à nous, à partir de la venue de Jésus-Christ. Et le premier point, c'est que le Créateur de l'univers est venu dans le monde parmi les hommes. L'infiniment grand s'est fait petit enfant. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, omnipotent, omniscient, omniprésent, est passé par la case départ. Je vais naître dans ce monde. Il aurait pu arriver directement en tant qu'adulte, mais il a décidé de venir naître dans ce monde il y a un peu plus de 2000 ans. Donc le Créateur de l'univers, celui qui a créé l'homme et la femme, vient de la même façon parmi nous dans ce monde. Le deuxième point, c'est que le Maître de l'univers, j'aime beaucoup le point, mais j'aime bien celui-là, parce que ça nous remet à notre place. Le Maître de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu souverain, omniprésent, potent et présent, se met au service des hommes. Et ça, ça devrait nous remettre à notre place. Hein? Parce qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas Jésus-Christ, mais lui, le Roi des rois, se met au service des hommes. Troisième point, le juste qu'il est accusé, condamné, offert en sacrifice pour nos péchés. Il aurait pu venir en tant qu'adulte directement, déjà ça aurait été quelque chose de miraculeux, et il aurait pu choisir son peuple, ceux qui voulaient sauver, sans passer par la croix, il aurait pu le faire aussi. Mais en même temps, il ne pouvait pas le faire. Tout simplement parce qu'il fallait que la justice de Dieu soit rétablie, respectée. À cause de votre transgression, de votre péché, quelqu'un doit mourir. Et cette personne, ça a été Jésus-Christ. Quatrième point. Le crucifié ressuscite d'entre les morts. Alors ça, c'est certainement la chose la plus étrange encore. Même s'il y en a qui disent « Moi, je n'ai jamais vu personne revenir de la mort. Hein. » Mais ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un revenir de la mort que la résurrection n'a pas eu lieu. Hein. Hein? Est-ce que toutes ces choses, déjà, ne sont pas des choses étranges? Et je ne vais pas oublier le cinquième point. La mort est vaincue par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si jamais un jour on doit aller au ciel avant que le Seigneur revienne, donc par une mort physique, nous savons déjà que cette mort physique n'est qu'un passage entre maintenant et tout de suite après avec le Seigneur. Et comme disait l'apôtre Paul, je suis entre les deux parce que j'ai envie de partir et d'être avec le Seigneur.
mais je sais que j'ai aussi du travail encore à faire pour être là avec vous, au milieu de vous. Donc mon cœur balance des deux côtés, être dans la présence du Seigneur ou continuer à être encore un peu de temps avec vous ici-bas. Donc la mort est vaincue par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55. Nous lisons. C'est Paul là justement qui parle. Il dit: Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Je vous cite ici que quelques faits d'une vie pleine de sujets, d'étonnement et d'émerveillement. Mais voyez maintenant quelque chose étrange qui se passe également chez nous, chez le chrétien et dans son entourage. Premièrement, qu'est-ce qui se passe chez nous? Des choses étranges. Nous qui étions pécheurs, accablés sous le poids de notre péché, on se retrouve justifiés par la foi en Jésus-Christ. L'homme aujourd'hui cherche de nouvelles choses, mais il ne cherchera jamais à vraiment se débarrasser de son fardeau de la bonne manière. Ce que nous devons savoir, c'est que c'est par le sacrifice de Christ qu'on peut être, j'allais dire soulagé, c'est pas soulagé, soulagé, c'est, ça veut dire que ça peut éventuellement revenir. Mais on peut être déchargé de notre fardeau du péché. Paul nous le dit très bien en Romains 8, 1, quand il dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Donc, le pécheur accablé sous le poids de son péché se trouve justifié par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, notre cœur charnel est régénéré par grâce et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est ce que nous dit toujours Paul en Éphésiens chapitre 2 verset 8 quand il dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 2, 8. Troisième point. Vous avez tous en tête peut-être l'image du buisson ardent qui ne se consume pas, où Moïse se présente devant Dieu. Vous essayez d'imaginer un petit peu la scène. Okay? Je ne sais pas quelle était la taille du buisson, je ne sais pas quelle était la variété du buisson. On sait surtout qu'il était en feu, mais en même temps qu'il était en feu, le buisson ne se consommait pas, consumait pas. Okay? Je vous dis ça parce qu'en fait, lorsque notre âme est en Christ, elle persévère dans la foi en Jésus-Christ. Et en même temps, elle préserve sa vie spirituelle au milieu des dangers qu'on peut rencontrer tous les jours ici-bas. Notre âme est un peu comme le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a tellement de charges qui nous tombent dessus que c'est comme si on n'allait jamais sortir la tête de l'eau, comme si on brûlait de tous les côtés. Mais gardez bien cet esprit, cette image à l'esprit. Le buisson ardent. Et je ne pense pas que c'était un buisson avec juste une flamèche. Hein? Parce que ça représentait Dieu. Et Dieu, ce n'est pas juste une flamme de briquet, d'allumette, de ce que vous voulez, de bougie. Donc, sachez que même si parfois notre âme, on a l'impression qu'elle est entourée de beaucoup de poids, de malheurs,
notre âme ne sera jamais consumée parce qu'elle appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un verset, je n'ai plus la référence, peut-être que Dicia me le rappellera parce que c'est elle qui m'avait parlé de ce verset. Quand Dieu parle à, je crois que c'est à Josué, et qui lui dit, va avec la force que tu as, Gédéon, va avec la force que tu as, et je m'occuperai du reste. Parce que parfois on se dit, j'aimerais faire des choses pour le Seigneur, mais je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de force, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela, mais je voudrais quand même le servir. Et parfois, si on est découragé en se disant, j'ai pas assez de force, ou j'ai pas assez d'expérience, le Seigneur a dit à Gédéon, comme il peut nous dire à nous, va avec la force que tu as. Moi, je m'occupe du reste. Et si tu n'as pas assez de force, je vais t'en redonner. Comme Ésaïe dit. Ésaïe nous dit que celui qui appartient au Seigneur, eh bien, il retrouve des forces. Il ressemble à l'aigle qui vole dans les hauteurs. Va et fais avec la force que tu as, et ça te permettra certainement de t'appuyer un peu plus sur moi, parce que moi je m'occupe du reste. Quatrième point, le mal se change en bien sous l'effet de la sagesse de Dieu. Alors le mal se change en bien sous l'effet de la sagesse de Dieu, tout simplement parce que avant d'être en Christ, il y avait peut-être des choses qu'on appelait bien, et qu'une fois que nous sommes venus au Seigneur, on n'appelle plus ça très bien, mais plutôt moche. La Bible nous le dit. Hein? Ce qui est bien sera appelé mal, ce qui est mal sera appelé bien. Et peut-être qu'avant notre vie avec le Seigneur, certaines pratiques, certaines choses nous paraissaient légitimes, bien, bonnes. Et maintenant que nous connaissons le Seigneur, on se rend compte que ce qu'on appelait bien, en fin de compte, c'est mal, et ce qu'on appelait mal, en fin de compte, c'est bien. Hein? Ça, c'est aussi la transformation que Dieu fait dans nos vies. Cinquième point, on a parlé de force. Hein? Va avec la force que tu as. Une force sans défaillance se développe dans notre faiblesse. Dieu a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu me demandes de faire des choses pour toi, de retirer cette écharpe que tu as dans la chair, et je vais te la laisser. Je vais te la laisser. Peut-être, je dis bien peut-être, on ne sait pas les raisons que Dieu avait pour ça, peut-être pour ne pas t'enorgueillir. Donc je vais laisser l'écharpe que tu me demandes d'enlever, et je vais simplement te dire une chose, Paul. Ma grâce te suffit. Va avec la force que tu as, et je m'occupe du reste. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers, disait Paul, de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça c'est 2 Corinthiens 12, 9. Une dernière chose. Avant de voir le sixième point, si je veux quand même vous dire quelque chose. Inviter les gens à voir des choses étranges et à expérimenter des choses étranges, mais de bonnes choses étranges, avec le Seigneur. Et quand on se baladait en vacances, on a une rue piétonne à côté de là où on est, et qui est assez longue, hein, je ne sais pas comment elle fait, mais elle est vraiment longue, et il y avait 3 groupes de 2 personnes, témoins de Jéhovah. On peut dire ce qu'on veut sur les témoins de Jéhovah, mais une chose qu'on ne peut pas leur enlever. Ils sont là présents. Ils sont là présents. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, Jésus qui dit aux lépreux, ne dis rien à personne, pas de souci. Je m'en vais, regardez ce qu'il a fait. Et le Seigneur quand il nous dit, dis, montre, partage ton témoignage, d'accord, et je ne fais rien du tout. On peut dire ce que l'on veut des témoins de Jéhovah, mais ils sont là présents. Et en discutant avec Ricardo, le pasteur, il me disait que rien qu'à la Cologne, il y a 3 lieux de culte. 3 lieux de culte pour une ville de
300 000 habitants. Vous vous rendez compte? Trois lieux de culte des témoins de Jéhovah. Dieu merci, il y a plus de vrais protestants que de témoins de Jéhovah, de lieux de culte. Okay? Mais ils sont là, présents. Et Ricardo me disait, ils pêchent, et peut-être qu'un jour, hop, ils vont en prendre un, qui va rejoindre leur groupe. L'intention, le fond est bon. La forme, non. Enfin, la forme, si, la forme est bonne. Mais le fond n'est pas bon, parce qu'on sait très bien que les témoins de Jéhovah n'ont pas du tout, ne sont pas bibliques du tout. OK? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la pêche. Et ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il n'a pas dit qui aux prédicateurs, ou aux diacres, ou à ceux qui prêchent. À tout le monde, tous ceux qui lui appartiennent, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Eux l'ont très bien compris. Et peut-être que sur une semaine complète, ils vont peut-être voir qu'une seule personne. Mais ils auront pris une personne. On en est où, nous? On fait quoi, nous, en tant qu'Église? À Cahors? En Europe? Dans le monde? On fait quoi? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour faire ce que Dieu nous demande de faire? Je ferme la parenthèse et j'arrive à mon sixième et avant-dernier point. Le Saint-Esprit fait sa demeure chez les chrétiens. Si nous lisons 1 Corinthiens 6, 19, nous lisons que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même ?» On ne s'appartient plus, on appartient au Saint-Esprit, on appartient à Dieu. Non seulement nous sommes une nouvelle création, mais nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide et qui nous conduit jour après jour après jour et qui nous donne la force de continuer et d'avancer et de persévérer dans l'évangélisation, persévérer dans notre présence à l'Église, persévérer dans notre vie de chrétien avec le Seigneur et avec ceux qui ne le connaissent pas. Le Saint-Esprit est là pour nous guider jour après jour. Et le dernier point, il y a une vraie et grande joie dans le ciel pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ et qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Luc chapitre 15, verset 7 nous dit « Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » J'ai envie de croire qu'il y a souvent une grande joie dans le ciel parce que le Seigneur sauve des pécheurs jour après jour après jour. Et là, qu'est-ce que nous dit Luc ? Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui vient au Seigneur, qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà, ce n'est qu'un aperçu de ces innombrables choses étranges que nous trouvons dans la parole de Dieu et que nous pouvons vivre au quotidien. En fait, si on réfléchit bien, avec le Seigneur Jésus-Christ, la vie n'est jamais monotone. Sauf quand on a les yeux fermés et les oreilles fermées, qu'on ne veut pas le voir, qu'on ne veut pas l'entendre. Mais si on veut bien prendre le temps de le voir et de l'entendre, alors croyez-moi, la vie ne sera jamais monotone avec le Seigneur. Alors si nous sommes chrétiens, cherchez à convaincre votre famille et vos voisins. Montrez-leur comment Jésus-Christ est à l'œuvre parmi les hommes et ce qu'il peut faire pour tous ceux qui se tourne vers lui. Parce que le Seigneur fait vraiment des choses étranges et il le fera jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons vu à peine quelques points, des choses merveilleuses que notre Seigneur Jésus-Christ a fait quand il était ici-bas. Que ce soit le pardon des péchés, qui est déjà un très grand miracle, la guérison de beaucoup de personnes et sa résurrection. Seigneur, aide-nous à témoigner de ces choses
merveilleuse et étrange que le Seigneur a fait il y a 2000 ans, mais ce qu'il fait aussi chaque jour dans notre vie. Fais de nous de vrais pécheurs d'hommes. Mets dans notre cœur la peine de tous ceux qui vivent loin de toi, sans toi, et qui cherchent un certain bonheur, à connaître pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'il y a après cette vie. Seigneur, utilise-nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, là où tu nous places, là où tu nous mets. Merci de nous aider par ton Esprit Saint à travailler et à faire notre travail pour toi. Merci de bénir ton Église ici présente, Seigneur, chaque personne présente. Merci de nous conduire à travers cette nouvelle année scolaire qui reprend, Seigneur, et que tu sois glorifié dans tout ce que nous allons faire et tout ce que nous voulons faire, sous ton regard. Et sans ton nom que nous te prions. Amen.